Bonjour tout le monde, ici Malonk Daniel, bienvenue à l'épisode numéro 10, je crois, de Conan. Je suis en train d'essayer de faire... Je viens de partir de la cabane, elle est loin là-bas, là. Je viens de partir en route et j'essaye de faire... Ah, oh, fuck, c'est pas le temps, chien, là. Fuck off! J'essaie de faire le plus que je peux, le plus vite que je peux. Ouais, à gauche! Pour me rendre à la maison de Hamilton. Le chien est encore assez, en train d'essayer de me tuer, là, mais là, je porte pas attention. Il fait très froid en ce moment. Yo, merde. Ok, ça va pas bien. On va retourner par là-bas. Et puis, on va aller à gauche. Où est-ce que je suis allé à gauche? Donc, ici. On va aller à gauche. Bon. Go! Ok, donc ouais, j'essaie de me rendre à la maison de Hamilton, qui est à la bout, au bout de la rue. C'est la seule place que je peux voir vraiment où ce qui va faire chaud. Après ça, ici, parce que je vois plus de cabane ou rien. Il y a peut-être des places de camping où ce que je vais pouvoir me réchauffer, mais autrement, il n'y a pas d'autres cabanes ou de maisons sur la carte. Oh! Bonjour! Oh merde! Ok! Deux autres pauvres victimes de ce mal de glace. Carl sentit un frisson le parcourir. Et s'il était le prochain? Avant d'aller voir lui là-bas, on va venir voir ces deux-ci. Il y a toi avec la carabine, puis il y a toi sans la carabine. Bonjour, est-ce que je peux te toucher? La réponse, c'est non. Je ne peux pas te toucher. Je pensais que j'étais pour passer l'épisode au complet. Oh wow, t'as une grosse taille. L'épisode au complet est en train de faire beaucoup de motos. Mais ça a l'air comme si c'est pas le cas. Bonjour! Carl se sentit aspiré violemment par le torrent d'une vision. Comment ça va? Oh! Ok. T'es encore là? Une jeune femme. C'est la jeune madame, ça? On aurait dit un bête accident de chasse. Ok. Hey, là, relax, chose. La madame est triste. Et voilà Hamilton. Carl pouvait le reconnaître. Ah, ouais. Est-ce qu'il vient d'enlever ses cheveux? On dirait qu'il vient d'enlever ses cheveux. J'imagine que c'est son chapeau, mais... Un grave accident de chasse. Pour de vrai ou non? C'est la question, c'est super exprès ou non? Ah ah! Là, on est chez le docteur. La jeune femme a été examinée par le docteur. Ouais. Mais on ne pouvait pas renverser la fatalité. Ok. Elle était morte. Pauvre madame. C'était qui, cette madame-là, anyways? Oh, je ne contrôle pas la caméra. Wow! On l'a essayé de l'enterrer, c'est ça? Ce n'était pas le genre de corps qu'on enterre en grande pompe dans le cimetière du village. Mais si le docteur était au courant, ça aurait été difficile de le cacher, non? Il aurait pas il fallu le montrer au docteur. Il fallait cacher aux yeux de tous. Il fallait cacher la faute commise. À moins que le docteur, comme tel... Rien de tel pour ça que de faire enterrer la pauvre fille par un pauvre d'esprit. Le mécanicien Lamotte. Ok. Oh, magasin général. Oh, ça c'est le docteur. Je commence à avoir froid. Le docteur refusait la mort injuste de la jeune femme. Mais Hamilton le tenait sous sa poigne de fer. Hamilton connaissait tous les secrets de ce poète mélancolique. Et il n'hésiterait pas à les révéler. Je connais tes crimes, jeune communiste. Tu connais les miens. Quelle histoire sordide. Pa-pa-pa. Le
Est-ce que je peux m'allumer un feu à un moment donné parce que je pense que je vais mourir de froid? Carl comprenait les rouages du drame. On avait tué une femme dans le plus injuste des accidents, et un jeune guerrier se donna pour la venger. Donc c'est ça, il est en train de courir à l'entour, puis il est en train de tuer tout le monde qui était responsable. Faut que je sorte la flèche de l'arme. Mais Hamilton, le grand meurtrier, avait déjà été tué. Le monstre ne savait plus comment assouvir sa vengeance. Maintenant, pauvre imprudent, Carl avait tiré le carreau du cœur de la bête. Cette Carl, bête, pourquoi t'as fait ça, Carl? Un jeune homme gris, auquel on avait soustrait la fiancée et qui, par haine, devint... Wendigo. Bonjour! Ah, ok! That's fair. Donc, je devine que c'est la bataille de la mort, de la fin. Merde. Cours. Je veux pas que tu me restes dessus. Ok, ça, ça fait pas mal. Cours. Ok, il est en train de mettre des morceaux, des murs de glace pis tout. Comment je suis supposé te tuer, toi, là? Attends un petit peu, là. Y'a-tu... Est-ce que je te lance un steak? Tiens! Va pour le steak! Merde, il est pas allé pour le steak. Ok. Mais y'a-tu... Comme je, ce que j'aurais besoin, ce serait la flèche. Non? Cours! Oh! T'as fait quelque chose. Ok. Donc, c'est vraiment un Wendigo, là. C'est ça qu'on est en train de dire, là. On est vraiment en train de faire le Wendigo. C'est ça, là? Ah, si! Pourquoi tu meurs pas? Un petit peu. Qu'est-ce que moi, je pourrais te faire? Ok, premièrement, on va faire une couple de choses ici, là. On va prendre consommable. On va prendre... Une affaire pour la santé. Alors, on va retourner ici. On va changer de fusil. On prend le revolver. Cours. Dude! C'est le fusil qui l'a tué, ça, là. Cours. Si tu cours pas quand t'es supposé de courir. Cours. Je sais pas d'autre comment te tuer, par contre. À un moment donné, je vais plus avoir de balles. Comme là, j'ai plus de balles. Comme, est-ce qu'il faut que je le tue avec une hache? Est-ce qu'il faut que je le tue avec... Est-ce qu'il faut que j'utilise? Ça? Go. Est-ce qu'elle est l'arbalète, la flèche? Ouais. Dude! Elle est morte! Non, elle est vengée! Elle est vengée! Brrrr! À moins que je suis juste posé de courir par ici. Cours! Tant que ça ferme pas. Cours! Oh, dis loup. Fuck off, loup! Fuck off, loup! Cours! Ok, donc, je viens, c'est ça que je posais faire, je posais courir. Merde! J'ai presque gaspillé toutes mes balles dessus. Lui, hello! Hein! Cours! Hey! Je t'ai tiré, toi. C'est pas juste, ça! C'est pas juste! Tricherie! Merde, je vais mourir. Consommable. Aspirine, ça fait quoi? Ça m'aide un petit peu aussi! Un petit peu! On va commencer à prendre beaucoup d'aspirine. Cours! Hop, ça aide mon cerveau! Cours! Ah, c'est si je m'en vais de même! Hey! Go! Oh yeah! Des amis! Bonjour! Go! Je vous dis... Ah, merde! J'ai plus de balles, j'ai plus... Attends, j'ai plus de balles, j'ai plus rien, là. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, là? Est-ce que vous entendez chier? Ah! Ok! Première chose que j'aimerais dans ce jeu-ci, ce serait que je puisse... Ok, je vais prendre ça pour me guérir au complet. Ça me guérit-tu? Non, mais ça aide mon cerveau. Ok, donc je vais me guérir au complet. Guérir au complet! Échappe! Ok. Deuxième chose que je vais faire, je vais boire l'eau pour aider mon cerveau. C'est toi? Oh, ok. Échappe! Ok. Troisième chose que je vais faire, c'est qu'on va prendre la hache, puis on va courir comme un bon! Okay. Mais je suis pris.
Y'a pas rien que je peux faire! Je t'aime à mourir! Non! Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je peux pas bouger. Il m'a gelé. Oh, la musique! Non! Ok. Boîte en eau. Je laisse faire l'utilisation. Pour le moment, pourquoi est-ce que je vois plus rien là? J'ai-tu perdu ma flashlight de mon corps? C'est là que j'ai peut-être perdu la flashlight de mon corps. Mais là, il y a un chien avant de moi aussi. Ok. Ouais. Je vais utiliser mes balles de fusil seulement pour tuer les chiens. Et non pour tirer le Wendigo parce que bien évidemment, ça ne donne rien. Merde. Hey! Peux-tu commencer à... Ouais, t'es pas content, hein? Je suis gentil, moi, par contre. Y'a un chien qui va apparaître en haut là. Ah ouais, oh. Merde. Asti, veux-tu je... Fuck, là, on va prendre le revolver, là, parce que ça te prend une éternité à... Bonjour. Ok, cool. Hey. Ah, fuck off, asti. Tu me fais chier, là. Cours. Prends ça. Cours. Il y a d'autres chiens qui vont apparaître ici. Ah, si, c'est quoi la joke, là? Ok, ici, il faut que j'aille à droite. Cours. Cours, va à droite, cours. Parce qu'à gauche, ça ferme. Cours. Hey. Je sais pas où aller, là. Oh, merde, je peux plus courir. Hey! Ok. Go. Ow. Je devine que c'est par ici. Je vais peut-être de rentrer dans un autre cul-de-sac, moi, là. Hey, le pitou! Si, je suis pas capable d'avancer, je suis pas capable de reculer, je suis pas capable de tirer, je suis pas capable de rien faire. Je suis pas capable... Non! Il me reste de la santé. Je peux-tu manger le steak? Cours. Comment que je l'ai pas pogné là? J'ai tiré direct dans la face. Ok, c'est pas le temps de fumer une cigarette non plus là. Qu'est-ce que je fais là en train de fumer une cigarette? Asti. Cours. Ok, attends un peu. Ce que je voulais faire, c'est prendre des aspirines. Cours. Pourquoi tu cours pas? Cours. Hey, pitou. Hop. Ok, attends un peu. Consommable, prendre toute aspirine. Et. Fusil. Cool. Ok, ça ne donne rien. Cool. Comment longtemps il faut que je cours de même, moi là? Ah si! Il sait pas comment viser ou quoi là? Ow! Ah, c'est pas gentil ça! C'est quoi ça en avant là? C'est-tu mon ami? Non, mange la merde! Un petit peu. Consommable. Aspirine. Cours. Hey! C'est qui ça, ce monde-là? C'est d'autres mondes qui sont gelés? Ah, je dois être au nord, là. Fuck off! Ah ouais! Avance! Tu me fais chier comment... Tu sais pas comment viser pour rien. Ah ouais. Ok, chien... Ah! Bon, ok, on continue. Hey, désolé, personne qui était là. C'est pas... On est dans un cimetière ou quelque chose? Il y a plein de gens morts partout. Il y a une petite craque par ici. On va aller par ici. Avance. Fuck. Oh wow, je suis bien content. Les trois passages le sauvegardaient. Mais pour combien de temps? Je sais pas, c'est pour ça que je vais continuer. Oh, on va juste continuer à courir. Cours. Je sais pas ce que je suis. Je sais pas ce que je m'en vais. Je sais pas ce que je pose de m'en aller. J'ai tout perdu. Fuck off! C'est la faute à qui, cela là? Donc, ok. On a un petit peu de temps là, pour respirer, là. Donc, pensons-y. Carl n'était pas du genre à se plaindre. Ce sont pas des petites blessures qui arrêteraient son enquête. Ok. Un chemin de fer, pis tout. Il y a un autochtone qui s'est déguisé en Wendigo pour venger la mort d'une fille qui s'est fait tuer
à cause d'un accident de chasse. Et puis là, parce que le gars qui a tué la fille, il est mort avant que Wendigo apparaisse. Bonjour. Bonjour. Il sait pas quoi faire. Puis moi non plus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Non. Les trois passages le sauvegardaient. Mais pour combien de temps? Bon, c'est bien dommage que j'ai perdu ma lampe de poche là, que j'avais dessus mon corps. Ce serait bien fun si j'aurais pu la garder. Mais là, je me suis patenté une affaire. Je pense que je l'ai rallumée d'une façon ou d'une autre, je sais pas trop. Le gars est encore fâché. J'espère que ça va pas le permettre de me Carl trouver plus rapidement. Carl continuait malgré ses égratignures. Ben oui. Sa mère serait vraiment fière de lui. Good, mais tu es en train de me dire que j'ai des bobos. J'ai des bobos! C'est parce que... Ouais, je peux prendre un petit peu d'aspirine. Cours donc! Je suis défatigué, là, mais dude! L'adrénaline, je pense que l'adrénaline serait plus forte. Ah ouais, avance, asti. Ah ouais, let's go, il y a un Wendigo qui essaie de... Veux-tu arrêter d'arrêter? Go, 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 go. Ok, ça ici, c'est déjà ouvert. On avance, on avance, on avance. Ça, c'est de l'eau. Le lui, il va apparaître là-bas. Avance. Hey! Brrrr, t'es pas content, hein? Ok. Go, 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 go! Rends le bateau! Rends le bateau! Rends le bateau! Commence les choses! Avance! Avance! C'est pas moi qui contrôle, là! Salut! Si vraiment, si c'est le Wendigo, puis il peut faire des affaires froides, il pourrait juste geler l'eau. Puis ensuite, venir me chercher dans le milieu de l'eau. Brrrr! Oh, je peux contrôler la caméra. Go! Je sais pas ce que je suis en ce moment! Je suis dans un bateau! Ah, mon Dieu. La disparition est celle de la pureté. Quoi? Je défendrai la pureté contre vents et marées, contre glaces et blizzards. Ok. Se pourrait-il que ce ne soit que cela? Une histoire de justice et de vengeance. Le docteur mélancolique qui voit dans cette jeune fille assassinée la mort injuste de sa fiancée, qui venge cette jeune fille, comme si elle avait été l'élu de son cœur. Ne sont-ce pas précisément ces grands sentiments passionnels qui peuvent faire s'élever une tempête, se glacer les êtres, faire naître des monstres? Quoi? Quoi? C'est le même, c'est fini? Non, j'ai pas tué le... J'ai pas tué le monstre ou rien, là. C'est juste ça termine, je suis dessus un bateau. Je m'en vais vers je sais pas trop quoi. C'est quoi ça? Non! Non! Non, non, non! Ah! Oh! C'était bon, mais je trouve que la fin, il manquait. J'ai pas. Ok, j'accepte que je suis en train de battre un Wendigo, mais au moins, permets-moi de le battre, de le tuer, de l'enlever de son malaise, parce que là, maintenant, il va continuer pour toujours. Il va jamais être capable de mourir. Comme, permets-moi de je sais pas là, de trouver l'arbalète du gars qui essayait de le tuer, puis de tirer dans le cœur. En fait, peut-être qu'il y avait l'arbalète quelque part que j'aurais pu trouver, je sais pas. Mais voyons donc, ça peut pas finir de même. C'est quoi ça, cette affaire-là? Bouh! Oh, wow! Franchement, laisse-moi dire que le... comment dire, l'expérience pour se rendre jusqu'à la fin, ça a été une vraiment bonne expérience. L'atmosphère était excellente. On m'a fait peur avec un loup. Juste de rentrer dans la caverne, j'ai eu peur. Ce genre de choses-là, c'était excellent. La fin, où est-ce que, une fois que tu traverses... Franchement, une fois que j'ai traversé, moi, je pensais que j'étais pour avoir encore la moitié du jeu à faire. Donc, on a traversé quoi dans l'épisode 8 ou 9 ou quelque chose de même? Donc, je pensais qu'il me restait encore une autre dizaine d'épisodes pour voir qu'est-ce qui se passait, pour genre j'étais pour découvrir la maison de l'anglais qui vit dans le nord pis tout, puis non rien de ça. Au lieu, ce qui arrive, c'est ben j'avance un petit peu, je trouve une place qui est brûlée, après ça je trouve des gens qui sont gelés, puis après ça je trouve un Wendigo, puis après ça ben je peux pas rien faire. Oh, je contrôle encore. Ah,
Ah non, tu vas-tu me faire peur là? C'est ça que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais là? Il va sortir de quelque part, hein? Ah, il y a un autre bateau! Hey! Hey! Je contrôle... Un survivant! Ouais. On a trouvé un survivant! Oh, wow! Donc ouais, ça, je pense que c'était... Parce que je pense que c'était vraiment un Kickstarter, donc voici, je pense, tout le monde qui a supporté. C'était pas un Kickstarter, c'était peut-être un Indiegogo, quelque chose de même. Les gars et les filles, tout le monde de l'équipe, bravo, franchement, vous avez fait un bon jeu. Je suis un petit peu, je vais admettre, déçu avec la fin. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus climatique que ça. Je me sens comme si peut-être vous avez peut-être manqué un petit peu de temps. Je sais que le jeu était déjà en retard beaucoup, mais vous avez fait tellement un bon effort pour l'atmosphère, pour ce qui aurait pu être la première moitié. Je me demande presque genre, vous pourriez peut-être faire Kona 2, où ce que ça continue direct d'où ce que ça vient de partir là, puis on découvre le reste de l'histoire. Je sais pas s'il reste une histoire. Je sais pas. En fait, si j'étais le père Rosaire, moi, j'aurais peur, parce qu'il reste seulement une personne dans la ville qui est vivante en ce moment, puis c'est lui. Mais bon, voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de faire ce jeu-là. Ça a été super le fun. C'est pas le genre de jeu que je fais d'habitude, mais des fois, comme je dis tout le temps, c'est les genres de jeux qui sont le fun, de juste s'asseoir, puis de vivre une histoire comme ça. Dans une atmosphère intéressante pis tout. Si c'est le genre de jeu qui vous intéresse, je vous invite super fort à checker le playthrough que j'ai fait de... c'est quoi? Il y a Vanishing of Ethan Carter, qui est très semblable, franchement. Qui est très très bon aussi, mais un petit peu plus court. Murdered Soul Suspect, qui est peut-être un petit peu plus long, mais aussi peut-être un petit peu... comment dire? Je veux pas dire moins bon, mais différent. C'est plus jeu, je dirais. Et il bâtissait des jeux puis il disait, ben là, il faut faire un jeu, donc il faut avoir des quick times, ce genre de choses-là. Genre de choses qu'on voit pas du tout dans ce jeu-ci, ou dans Vanishing of Ethan Carter, par exemple. Mais bon, écoutez, ça a été super. Je vais vous laisser avec ça. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, d'autres jeux que vous voulez que je joue, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Autrement, eh bien, encore une fois, je vous dis merci d'avoir écouté. Et puis, je vous dis à la prochaine!